Bonjour chers auditeurs, abonnez-vous à la chaîne Dimash Kudaibergen. Dieu a envoyé son vote au messager, il Dimash, ce jeune homme du Kazakhstan, il redéfinit son talent et frappe en dehors de la voix humaine. Certaines personnes disent que sa voix chantante consiste à céder sous un corps magnifique, c'est l'âme, c'est le joyau nocturne de la région occidentale, qui met en lumière la scène musicale chinoise de l'année. Soul Soul se déplace. Dimash Kudaibergen, il est très jeune comparé à son niveau technique, et il attend avec impatience ses progrès croissants afin que chaque scène soit appréciée. Dimash Kudaibergen, certaines personnes chantent et Dieu est pitoyable. Dimash apporte ses gros trucs. L'apparition du chanteur est appréciée, son aspect est, d'une part, un typhon naturel de l'atmosphère, et le puissant attrait de la scène fait souvent que le public s'y plonge inconsciemment, créant ainsi plus d'aspiration. C'est aussi Dimash, possédant à la fois l'apparence et la force. Dimash appartient à la race des Turans et possède une esthétique orientale et occidentale, double paupière européenne avec un nez parfait et une belle ligne de menton, ainsi qu'une petite bouche de cerisier avec de l'émail brun et noir, de sorte qu'elle a l'air plus stéréo que les plus doux que l'ouest. En parlant de ses yeux, ah, point d'exclamation ses yeux, point d'exclamation le grand écran qui fait peur aux personnes âgées, mais celui-ci reste l'un de leurs préférés. Dimash Kudaibergen, son sourire, la lumière dans ses yeux de cerf, n'est pas une gifle temporaire, une configuration très précise de trois générations d'étoiles plus une riche seconde génération, un environnement familial chaleureux et joyeux issu d'une atmosphère musicale épaisse, même s'il importe peu où il se trouve. Aussi puissant que soit le matériel, il conserve toujours une attitude humble, polie et sincère envers les autres. Il a toujours le pouvoir de l'amour et de l'affection, c'est peut-être un autre facteur qui peut changer sa beauté. À la fin, un visage peut être fini et le tempérament de l'artiste, qui rayonne de l'intérieur, n'est pas vraiment quelque chose que vous pouvez apprendre. Dimash Kudaibergen, certaines personnes diront que la beauté du monde n'est pas le résultat de l'application du maquillage. En fait, je pense que l'aspect de la personne veut vraiment être apprécié et fait une impression indélébile. D'abord, il doit jeter un coup d'œil. En dehors de l'endroit qui touche vraiment les gens, le visage sera toujours flou, mais son progrès personnel est un trésor. Les autres ne peuvent pas le voler. Une belle peau est la même chose, une âme intéressante le récupère. Est-ce le dernier? Je veux dire en comparaison avec la beauté florissante de Dimash, j'apprécie la partie la plus sincère de son cœur, sans oublier la sincérité de son cœur. Chers auditeurs, abonnez-vous à la chaîne.